Lisyon nan pasteur haïtien ki pi enfliyan sou internet la. Dayè, li pami premye moun ki pèmèt menm si ou chita lakay ou, ou kapab swiv yon servis an direk. Pou anpil moun, li se pasteur haïtien ki pi eklere, paske li arive konekte secteur evangélique haïtienne nan ak anpil lòt nasyon. Epi tou, li gen chans patisipe nan plizyè emisyon nan EMCI TV ki se yon réseau évangélique mondial. San twop pale anpil, nan video jodi a nou pral prezante ou pasteur Gregory Toussaint. Nou pral di ou ki kote li soti, ki kote li te fè etid li, ki lè li te komanse minister li, ak anpil lòt detay. Prezè sè zanmi internet yo, bonjou, bonsoir. Bienvini sou. Sony promo evangélique. Oh my God. Si ou pou abonne ak chèn nan, pa kontinye gade videyo a san ou pa fè sa. E pi si ou apresye travay lan, jis bay videyo a yon like. Kon sa, sa ap ankouraje nou anpil. Si ou bezwen konnen ki yes Pasteur Gregory, pa deplase nap vini ak detay yo pou ou. Pasteur Gregory Toussaint fèt an Haïti nan commune Kafou. Nou pa vraiman jwenn detay sou ane ak dat li te fèt. Apre li te fini etid klasik li, Pasteur Gregory Toussaint probableman te ran li aux États-Unis, spesyalman a New York pou te fè etid universitèr li. E se nan menm mouman sa ou, li te remèt Jezi la vi li. Nou di li te remèt Jezi la vi li nan mouman sa, men sa pa vle di ke li se yon moun ki ta bambile de yo wa. Pasteur Gregory Toussaint se yon moun ki grandi l'eglise. Men nan epòk nou di a, se mouman sa li te deside remè Jezi la vi li. Fèt l'eglise epi grandi l'eglise pa vle di ou gen Jezi nan la vi ou pou sa. Paske paran ou ka toujou mene ou l'eglise, men gen Jezi nan la vi ou se yon desisyon ki personel. Pandan Pasteur Gregory Toussaint ap prepare l pou lal etidye medisin, bon Dje te dil ke se nan teoloji pou l ale, e paran l pa deside si potel. Comment cette campagne en fait était pour vous l'accomplissement d'une promesse que Dieu vous avait faite quand vous aviez 24 ans? Donc on revient, hop, 20 ans auparavant, environ, hein. On ne va pas dévoiler environ. Votre âge. Environ 20 ans en arrière. Ouais. À cette époque-là, vous pensiez partir pour faire des études de médecine, c'est ça? Vous étiez en Haïti à ce moment-là ou... Oui, au fait, en ce moment-là, j'étais à New York. OK. Bon, j'étais un peu impliqué, déjà impliqué dans le ministère de la prédication. Mm-hmm. Et je m'apprêtais à terminer mes études. Donc, j'avais fait... donc, aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle premed. Donc, premed, c'est tous les cours qu'on prend pour pouvoir être admis à l'école de médecine. D'accord. Donc, j'avais déjà pris tous ces cours. Okay. Le processus était déjà engagé pour être médecin. Exactement. Mm-hmm. Et quand le Seigneur m'a parlé, et le Seigneur m'a dit qu'il ne voulait pas que j'aille à l'école de médecine, il voulait que j'aille à l'école biblique, un séminaire de théologie, okay. Pour pouvoir me focaliser sur le ministère. Donc quand j'ai reçu ces paroles de la part de Dieu, donc je l'ai partagé avec mes parents, j'ai dit à mon père et à ma mère, donc je ne vais pas m'enregistrer à l'école de médecine, plutôt je vais fréquenter une école de théologie. Donc maintenant, dans la culture haïtienne, mmh. il y a vraiment trois professions qu'on valorise vraiment dans la culture haïtienne. Donc il y a la médecine, il y a le droit, il y a le génie civil. Pas la prédication. Donc un haïtien doit dire oh, mon fils est médecin, mon fils est avocat, mon fils est ingénieur civil. Donc c'est un peu ça. Donc quand j'ai dit à mes parents que j'allais plutôt me focaliser dans la prédication, vraiment là, donc ils étaient déçus. Ils étaient très très déçus. Et mon père m'a dit écoutez, donc si t'allais si tu allais être médecin, tu allais recevoir tout mon soutien, mon support, etc. Mais si tu vas t'engager dans le ministère, le Dieu qui t'a appelé te soutiendra. Wow. Parce que nous allons pas te soutenir. Ah ouais, c'est dur ça. Donc c'était dur pour moi. C'était dur pour moi parce que
parce que mes parents sont chrétiens et m'ont élevé dans une atmosphère chrétienne. Mm-hmm. Donc, je ne comprenais pas pourquoi des parents chrétiens qui m'ont inculqué des valeurs chrétiennes, maintenant je voulais avancer un peu plus avec Dieu, pourquoi mes parents s'opposaient à ce genre de choses. Mm-hmm. Bon, évidemment, par la suite, j'ai compris. Hein, j'ai compris. Donc, eux, leur souci, c'était, ils avaient vu la vie des pasteurs haïtiens, les ministères haïtiens, mm-hmm. la vie des pasteurs haïtiens. Ils connaissaient leur misère, leur souffrance sur le plan social, économique et tout ça, etc. Oui. Ils regardaient à tout ça. Donc, ils se sont dit, ah, bon, nous nous sommes investis dans notre fils, dans nos enfants pendant des années. Nous n'aimerions pas qu'ils aient une vie difficile. Oui. Donc eux, ils regardaient tout ça, l'aspect social, l'aspect économique, etc. Mmh. Donc, ils ont dit, vous pouvez faire le ministère un peu à temps partiel. Tu peux avoir une profession. Donc, tu travailles en tant que professionnel à temps partiel, tu fais quelque chose d'autre. Mais tu ne vas pas t'engager à plein temps dans le ministère. C'est ça. Donc, pour eux, c'était difficile. Mmh. Mais à ce moment-là, moi, je ne pouvais pas vraiment comprendre cet aspect-là, parce que j'étais jeune, oui. Je voulais m'engager dans le ministère, et j'avais vraiment interprété l'épisode comme une forme de rejet. Okay. Donc pour moi, c'était... Je me sentais un peu que j'étais pas valorisé, mon appel, ce que je voulais faire dans la vie, tout ça, c'était pas valorisé. Donc j'ai interprété la chose en réalité comme du rejet. En tout cas, je l'avais ressenti comme du rejet. Oui. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'étais à l'université, je suis entré dans une salle de musique et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai entendu, c'est comme si j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va et lis Ésaïe 49 ». Ok. Vous saviez ce que c'était, Ésaïe 49 ? Non, je ne savais pas. Okay. Je ne savais pas. Donc, quand j'ai commencé à lire, j'étais là, j'ai commencé à fondre en larmes, oh. Vraiment. Wow. Donc, parce que les paroles étaient au fait tellement personnelles, pour moi, évidemment, c'est une promesse adressée à Israël. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas à Israël. C'était écrit pour Je me pour voyais. Vous. Ouais, c'était pour moi. C'est comme un rima pour moi. Mm-hmm. La parole, Ésaïe 49, verset 1er, il dit « Il écoutait, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance et il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Le Seigneur m'a rappelé en ce moment-là qu'il avait un appel sur ma vie dès ma naissance. Donc, j'étais obligé de répondre à cet appel. Je n'ai jamais dit à Pasteur Gregory Toussaint, c'est un homme de Dieu qui est plus influent dans le secteur évangélique. Là. L'a dirigé l'église tabernacle de gloire qui trouvait l'île dans Miami, mais tout qui gagne plusieurs autres campus aux États-Unis et en Haïti. Il possédait une station de radio qui relève Shekina. Il y a une chaîne YouTube qui comptait parmi 10 chaînes YouTube qui ont plus abonnés dans la communauté haïtienne avec environ 530 000 abonnés dans le moment où je vais enregistrer la vidéo. Pasteur Gregory Toussaint pas seulement un théologien. Il a un diplôme dans la comptabilité, une maîtrise dans le droit international et il est auteur plusieurs livres tant que ton règne vienne, comment intercéder pour votre mariage, terrasser les terreurs de la nuit, inébranlable à quelque autre toujours. Pasteur Gregory Toussaint marié à Patricia et il a deux petites. Yonn rele Gregory Junior et l'autre la rele Joshua. C'est tout petit détail ça, nous te joignons sur Pasteur Gregory Toussaint et nous te portons pour vous. Si vous connaissez un bagage en plus de Pasteur, vous pouvez partager la nous dans un commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de like et abonner à la chaîne et puis activer la cloche de notification pour que toujours jouer une vidéo nouvelle. N'oubliez pas de suivre nous sur Instagram, Facebook, TikTok et Twitter. Bye bye tout le monde, après je vous encore dans une autre vidéo si bon Dieu fait nous grâce. Sans pas ajouter rien encore. Sony Promo Evangelique. Oh my god!